Ce 9 décembre, Éric Dussard et Jade mettront à l'honneur leur entrevue avec Axel Red sur RTL. Dans un extrait partagé par Télé Loisirs, la chanteuse est revenue sur ses premiers succès et visiblement le star Sayotem ne l'a jamais fait rêver. Un timbre de voix unique qui la distingue. Artiste incontournable dans l'industrie de la musique, Axel Red n'a cessé de faire virevolter les mélomanes avec ses multiples tubes comme « Parce que si esti-toi »,« Sensualité » ou encore « Ma prière ». Ce samedi 9 décembre 2023, les auditeurs dont refait la télé sur RTL pourront découvrir son dernier entretien avec Éric Dussard et Jade. En exclusivité, nos confrères de Télé Loisirs ont rebondi sur un extrait dans lequel Axel Red évoque le succès de son deuxième opus intitulé « À tâtons ». Dévoilée en 1996, cette œuvre musicale s'est écoulée à plusieurs milliers d'exemplaires. Une belle ascension que la chanteuse a visiblement eu du mal à gérer à l'époque. Ça m'a perturbée et puis je me suis engagée assez rapidement humainement et de voir ce contraste de toutes celles qui ne peuvent pas réaliser leurs rêves avec peut-être les mêmes talents ou qui n'ont pas les possibilités de les développer, a analysé Axel Red avant de compléter, j'ai mal vécu tout ça. Pour assurer la promo de ses multiples projets musicaux, l'heureuse maman de trois enfants a enchaîné les représentations. Vous savez pourquoi toute la Terre est dépressive ? Étant constamment sur tous les fronts, la star a un temps été littéralement vidée. Après une tournée, je suis rentrée chez moi. Je suis restée avec la lumière éteinte pendant 2 jours, a ajouté Axel Red en dénonçant certains aspects du star system. J'ai compris tout d'un coup toutes ces histoires qu'on entend et que je ne comprenais pas avant, de quelqu'un qui s'appelle Michael Jackson par exemple. Les gens se disaient, mais il est fou. Si est-ce juste que si est-ce vraiment perturbant. S'illustrer sans cesse sous les feux des projecteurs n'apporte pas que des bénéfices à en croire Axel Red. Vous savez pourquoi toute la Terre est dépressive? Parce qu'on est tous dans le star system, a-t-il lâché l'interprète de Rouge Ardent. On est star depuis qu'on est né parce qu'on reçoit un téléphone portable, on veut des likes, on se stresse parce qu'on se dit, je me suis montré avec une photo. On se montre comme on n'est pas vraiment, un peu comme toutes les stars le font et les autres aussi, on se stresse tous. Dorénavant, la fidèle amie de Renaud préfère vivre en toute quiétude loin des regards indiscrets, je suis beaucoup plus consciente et je gère. J'ai plus compris la vie. J'ai trouvé ma propre façon de raisonner et ça me sauve tous les jours. Un bel équilibre qu'elle a mis du temps à trouver.